Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Je suis Gaël Duval, président et fondateur de Je Change, qui est une plateforme d'aide au déménagement et à la gestion de ses factures courantes, particulièrement énergie, télécom, assurance et banque. Et je vais vous donner quelques conseils pour le déménagement qui sont clés pour le réussir. Donc tout d'abord, la première obligation, c'est un peu de connaître la volumétrie d'un déménagement. C'est un des moments clés de la réussite, c'est de savoir si vous avez besoin d'un petit, d'un gros ou d'un moyen camion et du nombre de cartons qu'il va falloir faire. C'est l'un des moments clés puisque c'est à partir de là où vous allez pouvoir faciliter au mieux les allers-retours et la gestion de votre déménagement. Le deuxième, et qui est corollaire du premier, c'est évidemment la taille des cartons et de s'engager sur des cartons qui ne soient pas trop lourds à porter, qui soient faciles à déplacer et qui ne nécessitent pas d'être deux à chaque fois pour les déplacer. Le troisième, c'est évidemment de faire attention aux objets fragiles et particulièrement en les enveloppant dans du papier bulle, qui d'ailleurs a été inventé par erreur par un monsieur qui s'appelait Monsieur Erreur, et donc de faire attention à l'ensemble des choses. L'un des autres points, et surtout par rapport au voisinage et à la ville, c'est de faire une demande d'autorisation préalable auprès de la mairie d'arrondissement pour pouvoir mettre votre camion, sachant que si c'est un professionnel qui s'occupe de votre déménagement, c'est lui qui aura en charge cette procédure, et si c'est vous qui le faites avec un ami, c'est à vous de vous en charger. Enfin, évidemment, il faut communiquer sa nouvelle adresse, donc il y a des services postaux qui permettent de le faire pour pouvoir accompagner le courrier. Et puis, c'est l'une des raisons de la création de la société, c'est de remettre à plat tous ces contrats, et tous les contrats tels que l'énergie, les télécoms, l'assurance ou la banque, pour permettre de faire beaucoup d'économies, puisque c'est généralement quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne veut pas gérer, puisqu'on a tous une tendance à être phobique administratif et à procrastiner sur ce genre de sujet. Pour autant, vous pouvez gagner beaucoup d'argent puisque la gestion de vos contrats et le changement de vos contrats, c'est entre 400 et 1200 euros d'économie par an. Tout ça en changeant simplement d'assurance habitation, d'énergie ou de télécom. Enfin, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour votre déménagement, c'est extrêmement consommateur de temps. Donc n'hésitez pas à déposer une journée, c'est généralement une obligation de la part de votre employeur de vous la fournir et de vous la donner, et surtout de fêter ce moment, puisque généralement c'est un changement de vie assez important, et dans le changement tout est important, donc n'hésitez pas à fêter ce déménagement. À bientôt sur le HuffPost.